C'est-à-dire que la moyenne des gens, encore une fois, que nous avons interpellés, c'est une moyenne d'âge de 17 ans, avec parfois des enfants, il n'y a pas d'autre mot, de 12-13 ans, qui étaient des pyromanes, ou qui ont attaqué des forces de l'ordre, ou qui ont attaqué des élus. Et je pense qu'il faut qu'on se pose tous cette question, la responsabilité des familles, des parents, parce que ce n'est pas la police nationale, ou à la gendarmerie, ou même au maire, ou même à l'État, de régler le problème quand un enfant de 12 ans met le feu à une école. Je pense que c'est une question qui relève de l'autorité parentale. En tant que ministre de l'Intérieur, ça m'interpelle que un tiers des 3200 personnes que nous interpellons soient des mineurs, et que la moyenne d'âge des gens que nous interpellons est 17 ans. Voilà. Il y en a 60% sur ces 3200 qui n'ont aucun antécédent judiciaire, qui ne sont pas connus des services de police. Ce ne sont pas tous des récidivistes.